Amen. 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 Bitumba Yesu abunda. Amen, 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 amen. Bundela yopona santé ya longa guérison. Amen, amen, amen. Bundela yopona stérilité abenga bana. Hallelujah. Amen. Oh, tala bitumba wa bundela yo. Hallelujah. Tuka tu salaka tension ke bwa ko salaka wa 40 wana. Mutinda otinda malamu. Mebiye bozongi sabona moti bitumba ngala bunda ngala longe. Oko bundela yo za makasi. Bitumba bunda. Amen. Bisonge to so benefice kaka. Grace. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tukumi na tambo to yoga loba na Nzambe. Tuyo kapenda ni loba yo lokola ba. Sage. Amen. Amen. Tango mama na bisa so mata. Mosali na nkolo to beteli Yesu maboko makasi. Amen, 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 amen. Parce que là, je me sentirai à l'aise. Je ne sais pas si on va interpréter. Je ne sais pas qui peut interpréter. Ça ira. Ça ira. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Encore une fois, nous allons nous lever. Amen. Dieu soit loué. Amen. Nous allons prier pour ce moment de la parole de Dieu. Chacun de nous doit entrer en lui-même. Je dis bien entrer en lui-même. Ne regarde pas ton âge. Regarde Dieu qui t'a créé. Entre en toi-même. Dis à Dieu de te parler tel qu'il te connaît. Amen. Dis Seigneur, parle-moi tel que tu me connais. On peut dire, Nzambe, l'obelangai, denge yo yebingai. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, faisait son travail, son service de plusieurs manières. Et à chaque service, il donnait de l'importance. Quand il marchait dans la rue, dès qu'il voyait quelqu'un qui était vraiment préparé pour lui, il donnait du temps pour cette personne. Le Seigneur donnait du temps pour une seule personne. Parce que le salut de l'âme n'a pas de prix. Amen, amen, amen. Voyez quand il était avec la femme samaritaine. Notre Seigneur était fatigué, il avait faim. La Bible dit qu'il avait faim. Et les disciples sont partis chercher des vivres. Il était aussi fatigué. Mais assis auprès d'un puits, il voit une femme qui s'approche. Il a mis du temps malgré la fatigue. Parce qu'il était en face de lui, il avait en face de lui une femme, une âme qui avait de préjugés et des idées qu'on avait inculquées dans sa tête. Et les dieux de Jacob, les puits de Jacob, que des souvenirs et des souvenirs, mais qui étaient devenus caduques. Parce que le temps de la grâce était arrivé. La femme venait avec des souvenirs. Puis de Jacob, puis de Jacob, puis de Jacob. Le Seigneur a dit, voici le temps que je sauve la vie de cette femme. Voici le temps que je sauve la vie de cette sœur. Voici le temps que je sauve la vie de ce frère. Et il a mis de son temps. Il a parlé à cette femme. Une seule personne. Les disciples, quand ils sont revenus, ils étaient étonnés qu'ils parlent avec une femme. Mais toutefois, personne n'a demandé, de quoi parlez-vous? J'aime la parole de Dieu. Vous savez pourquoi la Bible a dit, toutefois personne ne l'a demandé, de quoi parlait-elle avec cette femme? Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, voir un homme et une femme se mettre debout, voir maman faire avec Ikebali parler, le monde d'aujourd'hui va avoir des mauvaises idées. Ikebali avec maman Feza. Bazali, konsale, kobo, nengo, moni, pa moi. Alléluia! Amen. Toutefois personne ne l'a demandé, de quoi parlez-vous? Les disciples étaient sages.
Quand tu ne sais rien, comme disent les Congolais, à connaît pas, à demander. Les enfants de Dieu sont dans les préjugés. Mais ce jour-là, ils se sont tués. Alors que c'était en face d'une femme qui avait besoin d'être sauvée. La femme samaritaine. Et Christ l'a sauvée. Et les signes qui accompagnent ceux qui sont sauvés. La Bible dit, elle a déposé sa cruche. Dis aujourd'hui, je vais déposer ma cruche. Je vais déposer ma cruche, alléluia. Je vais déposer ma cruche. Je vais déposer ma cruche au nom de Jésus. Viens. Je vais déposer ma cruche. Je veux déposer ma cruche. Je veux déposer ma cruche. Je veux déposer ma cruche. Amen. C'est ce que ça veut dire la cruche. La cruche que la femme samaritaine avait déposée, c'était le truc qu'elle mettait de l'eau. De l'eau que met la maille. Calebasse. Calebasse, hein? Voilà. Alors elle avait déposé. Toi aussi tu vas déposer. Tu es sûr? Dieu est avec nous. Répète, tout le monde doit le goûter. Je vais déposer ma crise. Ma crise. Allez, je vais déposer ma crise. Amen. Je vais déposer ma cruche. Amen. Encore. Je vais déposer ma cruche. Amen. Je vais déposer ma cruche. Amen. Je vais déposer ma cruche. Amen. Papa, il est avant de déposer sa cruche. Amen. Hé, hey, les frères là, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous faites quoi? Vous êtes ici? Ok, vous allez venir déposer la cruche. Amen. Ikebali, dis à haute voix, tu vas déposer ta cruche. Je vais déposer ma cruche. Amen. Frère. Je vais déposer ma cruche. Amen. Amen. Tout le monde est d'accord de déposer sa cruche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier d'abord pour la parole de Dieu. Entre toi-même, dis Seigneur, parle-moi tel que tu me connais. Prions le Seigneur. Merci Père, nous te remettons ce moment de la parole. C'est toi qui l'avais donné, Seigneur. C'est toi qui avais dit parle. C'est toi qui avais dit parle. Au nom de ta parole. Et le nombre des gens qui sont ici. Seigneur, parle-le. De la manière que tu les connais. Moi, je ne connais pas. Je connais des visages, mais je ne connais pas des cœurs. Manifeste ta présence. Oh, Jésus. Parle. Chasse Saint-Esprit. Tu es toujours là, là où il y a la parole de Dieu. Mon roi, mon Dieu. Au nom de Dieu. Oh Seigneur, merci parce que tu vas parler. Alléluia. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Amen. 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 Assoyons-nous. Comme introduction, je vais dire ceci. Ça, c'est une parenthèse, je vais dire. La cruche, peut-être tout le monde, comme tout le monde l'a répété, cruche, cruche. La cruche était l'instrument, elle était l'outil par lequel la femme samaritaine mettait de l'eau dedans et elle rentrait à la maison. Et à chaque fois que vous voyez l'eau dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. De l'eau représente la parole de Dieu. Amen. Mais la parole, quelle parole? Parce qu'il y a parole aussi et parole. Parce que cette femme avec Jésus, la discussion était tournée autour de l'eau. Christ a demandé à cette femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Christ ne le demandait pas la parole. Christ demandait vraiment à cette femme de l'eau à boire. Étant humain, il avait soif. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, notre Dieu a aussi des besoins. Est-ce que vous savez que Dieu a aussi des besoins? Amen, 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 amen. Bien que la Bible dit que Dieu est suffisant, il a tout, l'or et l'argent lui appartient. Mais il se peut qu'on oublie que Dieu aussi a des besoins. Mais ces besoins, il a besoin que ce besoin-là soit, c'est-à-dire servi, c'est-à-dire donné.
par l'église. C'est-à-dire l'église arrive à accomplir ces besoins-là de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Christ, la parole est le sauveur. Demande de l'eau à une femme, même s'il la croit, quand il avait demandé, on l'avait donné le vinaigre. On a toujours les pauvres avec nous, mais vous ne m'avez pas toujours. Cette parole, beaucoup de prédicateurs n'entrent pas dedans. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime aussi. Amen. Non, nous n'aimons pas Dieu. Le Seigneur avait besoin aussi des gens qui pouvaient l'aimer. Parce que c'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et les deux qui est semblable à ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même. C'est le deux commandements que Christ a répété, a inauguré encore. De ces deux commandements dépend la loi et le prophète. Alléluia. Amen. Mais c'est difficile, on ne l'accomplit pas. Christ, il a eu besoin de l'eau. Quand Dieu a besoin de nous, trop souvent, le besoin de Dieu est négligé. Mais nous voulons que Dieu accomplisse nos besoins à nous. Et c'est ça qui lui fait très mal. Et ces jours-là, quand il a dit à la femme, donne-moi de l'eau, il avait vraiment soif. Parce qu'il était fatigué, il avait faim. Mais la femme a commencé à lui raconter toute une histoire. Une histoire qui était passée depuis longtemps. Toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis samaritaine? Il lui rappelle des événements historiques. Nous n'avons pas de relation avec vous. Vous les juifs, vous dites-vous que le lieu où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Mais nos pères et nos pères, notre arrière-arrière, grand-père Jacob a fait ses puits. Ici, nous puissions de l'eau. Ça nous rappelle l'alliance de Dieu avec Abraham. Le Seigneur a regardé. Vous voyez comment beaucoup de gens sont dans des esprits sectaires et comment ils vont rater le ciel à cause de tout cela. Dans cet état de choses-là, cette femme était dans une position de choses qui la mettait loin de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle vivait dans des divisions. Elle vivait dans les partis pris. Elle était dans une connaissance éphémère qui ne l'approchait pas de Dieu. D'ailleurs, Christ l'a dit, si tu connaissais au moins le temps de Dieu, et si tu sais qui est celui qui te parle, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau. Amen, amen. La femme a dit, mais c'est pas possible. T'as pas de puits, t'as pas de cruche comme moi, t'as rien pour puiser. Quel est ce tour? Alléluia. Voilà le raisonnement aujourd'hui. Quand on parle de l'église, il y a des gens qui parlent selon la vision charnelle. Il y a deux sortes de raisonnements dans le Seigneur, deux sortes de raisonnements dans l'église corps de Christ. C'est ça la parole. Bien aimé, le Seigneur est en train de dire à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, à d'autres termes, il y a des gens qui ne connaissent pas non plus le don de Dieu. Ils sont voilés, ils ont les yeux charnels. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est l'œil de l'esprit. Et si tu savais ce qui est celui qui te parle, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau. La femme directement l'amène avec cette eau-là du puits de Jacob. Tu n'as pas un puits, tu n'as rien pour puiser l'eau. Comment tu vas me donner quelle eau tu parles? Christ parlait de l'eau de sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est cette eau, il a dit, celui qui boira de mon eau, cette eau que j'ai, aura la vie éternelle. Bien-aimé, il y a des leçons dans chaque entretien que Christ a fait dans la vie de chaque individu. Amen. Amen. Mais les hommes de Dieu ne s'étalent pas là-dedans. Le salut, c'est une affaire que tu peux capter dans quelques secondes. Mais pour le trouver, parfois il te faut beaucoup de démarches. Amen, hein? Amen. Nous allons entrer dans notre message. Le thème principal, c'est voici le pouls. Quand on parle de déposer la cruche, c'est déposer tous les préjugés. C'est déposer tout ce que tu y avais comme connaissance. Oublie-toi.
Dieu va faire entrer quelque chose de nouveau en toi. Et c'est cette chose de nouveau qui va te transformer. Et toi-même, personne ne te dira de faire quoi que ce soit. Tu partiras aller dire ce que tu as reçu. Alléluia. Amen, amen. La femme samaritaine, personne ne l'avait envoyée. Elle est partie d'elle-même annoncer dans sa vie. Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est le signe qui accompagne ceux qui ont cru en Christ. Ils témoigneront le Seigneur Jésus-Christ. Qui a déjà témoigné de Jésus dans sa vie? Qui peut se le rappeler? Ma soeur, as-tu déjà parlé de Jésus aux gens? La soeur, tu as bougé déjà la tête. Viens. Ah, voilà, compris. Oh! Viens. Tu as déjà parlé de Jésus, toi? Déjà, tu parles quand tu chantes. Mais j'ai demandé à la sœur, elle a fait la tête comme ça. Tu as déjà parlé de Christ? Oui, parler de Jésus, pas encore. Ça t'est déjà arrivé de raconter quelqu'un qui n'a pas Christ et tu parles de Jésus, de le recevoir? Pas encore. La sœur a déjà parlé de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, vous serez mes témoins. Amen, hein? Amen. Vous serez mes témoins. Ouh! Je vois les couples pastorales qui arrivent. Au moins, il y a quand même. Amen, hein? Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25. C'est le message principal. Matthieu chapitre 25. Voici l'époux. On va déposer la cruche aujourd'hui. Tout préjugé, toute connaissance acquis de gauche à droite qui mettait loin de Dieu va être déposé aujourd'hui pour avoir maintenant la vraie source d'eau vive qui va jaillir jusqu'à l'éternité. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1er, et nous allons arrêter au verset 7. Une personne qui est conduite par l'Esprit peut lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 25, premier verset jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le pot tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alléluia. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien que le frère aille jusqu'à la fin, bon, nous avons dit jusqu'au verset 7. Le thème principal d'aujourd'hui, c'est voici le pouls. La définition du mot « voici », je l'ai trouvé dans le dictionnaire. « Voici », c'est une préposition. Suivi d'un nom ou précédé d'un prénom
ou d'un pronom montre quelqu'un ou quelque chose de présent ou proche. Un événement actuel, ce qui va être fait ou dit. Par exemple, nous voici arrivés. Ou bien, voici mes intentions. Comme le thème c'est voici le pour, suivi d'un nom ou précédé d'un pronom, montre quelqu'un ou quelque chose du présent ou proche. C'est-à-dire, Christ est déjà là. Bien que nous ne le voyons pas encore avec les yeux de la chair. Christ, notre Seigneur, est déjà là. Le message qu'on a dit aux 10 vierges, ce qui est très important, elle est folle, elle est sage, entendu ses cris. Ce n'était pas que les sages seuls qui ont entendu, mais les folles aussi ont entendu les cris. L'église du Seigneur est présentée comme ces 10 vierges. Mais dans ces 10 vierges, il y a deux sortes de l'église. Celle qui est folle et celle qui est sage. Les 5 font partie de l'église, corps de Christ. Mais ils sont distincts. Celles qui sont folles et celles qui sont sages. Il s'est passé quelque chose. Le plus tardé à venir. Tellement qu'on attendait. Il y a même des gens qui le disent souvent. Vous, il y en a de ceux-là qui se moquent parfois des églises de réveil, disant, vous les chrétiens là des réveils, tout le temps, vous ne voyez pas que ce sont des conneries, toutes ces histoires. Le Seigneur ne vient toujours pas. Depuis qu'on vous a dit, il est toujours là, il ne vient pas. Les gens se moquent. C'est comme si Dieu va venir parce qu'eux, ils ont dit, alors que le Seigneur est en train d'attendre quelque chose. C'était la mission de l'église. D'accomplir sa mission sur la terre. En réalité, normalement, l'église a, c'est-à-dire continue l'œuvre du Seigneur de gagner les âmes à Christ, de gagner le monde à Christ. D'ailleurs, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Après quoi viendra la fin. Ce n'est pas que cette bonne nouvelle convertira le monde entier. La Bible n'a pas dit que la parole va convertir. Mais la parole doit servir de témoignage. Pour que ces jours-là, ils ne disent pas, je n'ai pas eu le temps d'attendre, je n'ai pas attendu ça. L'église, sa mission, c'est de parler. Et non, après avoir parlé, regardez les gens, est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils sont gentils? Ce n'est pas notre problème. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur est en train de nous démontrer l'état actuel de l'église. L'église est... Elle était endormie, c'est-à-dire elle est folle et les sages, tous assombris, tous, c'est-à-dire les folles et les sages, comme disent les Congolais, pongi à ma bébé. Et laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, le sommeil dont parle la parole de Dieu, ce n'est pas le sommeil que nous avons dormi hier là. Ce n'est pas ce sommeil-là. C'est un sommeil spirituel. C'est le sommeil que tu vois. Comment tu considères les choses de Dieu ou les choses sacrées et les choses vides? Tu ne dors, c'est-à-dire que tu as des yeux qui n'ont pas de vue claire. Comme on a dit à l'Apocalypse, prie pour qu'on te donne la colire afin de voir clair. Bien-aimé, il y a des chrétiens qui ont des yeux charnels. Quand ils observent les choses, vous savez, cet événement, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Mais je bénis le Seigneur parce que le but, c'est que le message passe. Que son message passe. J'ai étudié la vie du Seigneur Jésus. Je vous dis que c'est un homme qui a beaucoup fait des miracles. Qui a beaucoup fait des grandes choses. Mais le jour que c'était arrivé pour qu'il puisse passer d'un autre côté vers le chemin de la souffrance. Bien-aimé, les gens l'ont quitté, l'ont abandonné. Alléluia. Le Seigneur, notre Sauveur, il était abandonné. Bien-aimé, il y a un jour, le Seigneur a prêché. On appelle souvent, les gens disent Jean 6 à 66. Donc Jean 6, verset 66. Jean 6 à 66. La parole qu'il avait enseignée dure là.
plusieurs disciples, 70, pouf, sont partis. Koyungula, Boloba, Koyungula. Koyungula, amen. Koyungula. Koyungula. Zambaba no yungula. Amen. Zambaba niko sala nini? Koyungula. Tamise. Tamise. Amen. Tala, il a fait ça quand il était c'est la parole du ministère. Atani pat bazo ya ipai na ye. Mingi bazo akapo bazo ba bien na ye. Ba miracle. Bazana maladie ba pika. Bazana bazo luka mabala. Bazo luka misala, bazo luka mikanda. Ansali ba biloko wana tu. Mais ma soeur, il y a besoin de comprendre. Et là, il y a des bangs, il y a des tout. Amen, 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 amen. Mais c'est un canda. Alors, lui, maintenant. Oui, puis là, il y a des biens. Bango, il y a des gens qui sont là, bango, il y a des gens tout ça là. Bato, il y a des gens. Il y a des gens qui sont là, maman, dans l'enseignement. Oh, il y a des gens qui sont là. Tant que cette parole est dure, qui peut l'écouter? Bandana 70 et belle bakenda frère batikali mouke kaka ba disciple ya bengak ba batikalaki avant d'être serviteur ou servante soit disciple. Amen. Disciple c'est un élève yekola 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 tina souka yekola tina yekola jusqu'à ce qu'il kanta. Alléluia. Amen. Ma femme qui Yesu a dit maman lui et vous ne partez pas bokete maman tu vas qui bokete malbi où il y en a toi qui as les paroles de la vie éternelle c'est ce que Jésus Christ cherche jusqu'à maintenant où il y en a tant que de wapi yo les alina maloba ya bomoi Yesu a moni à l'obi voilà na yungula kibango. C'est avec raison qu'ils deviennent apôtres. Parce qu'ils ont passé dans des épreuves. Amen. Terribles. Mais Seigneur a loupé. Après ça, il va ma promesse. Bien-aimé, le Seigneur est à la porte. Il est là. Voici. C'est une préposition qui te montre quelque chose où une personne est déjà là. Il est là déjà. Amen. Il suffit simplement d'un déclic pour que nous le voyons clairement. Mais j'ai béni l'Éternel parce qu'elle est folle et les sages vont écouter. Comment est-ce qu'ils vont écouter les folles et les sages? Vous savez que le message de voici le pouls, ce n'est pas encore l'enlèvement. Est-ce que vous savez que ce n'est pas encore l'enlèvement? Mon frère qui a lu le passage là, voici le pouls, ce n'est pas encore l'enlèvement. Parce que vous avez lu jusqu'à la fin. C'est-à-dire, après avoir écouté au milieu de la nuit, qui symbolise les temps difficiles que nous sommes. La nuit, dans la parole de Dieu, c'est les temps difficiles. Et la Bible nous dit, comme avait dit le pasteur Gabriel hier, le temps de la fin, c'est écrit dans 2 Timothée 3. Où on a dit que dans les derniers jours, le temps, ça sera les temps difficiles. Les hommes seront égoïstes et fanfarons. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Ennemis des gens de bien. Traître. Ennemis des gens de bien. Fanfaron, orgueilleux. Vantard. Oh, j'aime la parole de Dieu. Mais ce que je bénis l'Éternel, c'est que malgré ça, ils ne feront pas les plus grands progrès. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles symbolisent la nuit dans la parole de Matthieu que nous venons de lire. Amen. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, dénoyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible dit éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours, ils aiment bien apprendre. Ils ont toujours, mais ils copient. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité,
De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Hmm. Étant corrompus d'entendement, réprouvant ce qui concerne la foi. Hmm. Mais ils ne feront pas des plus grands progrès. Hmm. Car leur folie sera manifeste pour tous. Amen. Comme le fut celle de ces deux hommes, Jeannès et Jambres. Vous savez qui étaient Jeannès et Jambres? C'étaient des magiciens qui étaient venus confronter la puissance qu'avait Moïse. Moïse avait la puissance de Dieu. Et il y a eu des magiciens, ils sont venus déposer les serpents, les trucs qui sont devenus des serpents, deux serpents. Bon, il y a diable, barrage de l'île. Double. Moïse, un seul, boum. Amélie Bamolios. C'était Jeannès et Jambres. Va s'opposer à Moïse. Vous savez qu'il y a des gens qui s'opposent dans les plans de Dieu, les choses de Dieu. Il y a plusieurs manières de s'opposer. Mais la Bible dit, ils ne connaîtront pas de plus grand progrès. C'est notre assurance. Parce que leur échec sera manifeste. Tout le monde le constatera. Amen. Voici le coup. Voici le coup. On est en train de crier sur l'église. Comment l'église va entendre? À travers la parole qui est en train de se prêcher maintenant. À travers les paroles qui se prêcheront encore demain à l'église. À travers les paroles dans des campagnes de tout qu'on soit partout. Le Seigneur est en train de réveiller. Combien de gens parmi nous n'avons pas eu de témoignages des gens qui rêvent, qui ont le Seigneur les a visités, qu'il est là. C'est ça, voici le pont. Il est là. C'est ça, voici le pont. Bien-aimés, les folles et les sages dormaient. Et le sommeil spirituel, merci Saint-Esprit, le sommeil spirituel, c'est comment tu t'amènes à ça, c'est manque de vie de prière personnelle et continuelle avec ton Seigneur. Cette intimité que Dieu a besoin pour la vie de tout un chacun de nous. Parce que l'enlèvement sera sélectif et non collectif. Amen, amen, amen. Ne pensez pas parce que nous sommes tous aussi aujourd'hui, si l'enlèvement frappe maintenant, mais même tout de suite là, que nous tous allons partir. Ça sera la sélection. Amen. Oui, c'est dans le Matthieu 24. Hein? Oui. Matthieu 24, on démontre que c'est la sélection, c'est des qualités. Dieu va venir prendre des qualités. Nous sommes l'église. Mais nous ne savons pas de quel côté, comme avait dit Pasteur. De quel côté tu te trouves? Sage ou folle? Voici le pour montre. C'est-à-dire que c'est que la personne est présente ou il est proche. C'est le mot voici, une préposition qui démontre que la chose est là. Et quand est-ce que ce voici est sorti? C'est quand l'église était endormie. Et le sommeil, mon frère, la vie de prière personnelle est continuelle, tu ne fais pas. Et quand la vie de prière est tuée, c'est la chair qui commence à prendre place. Et quand tu deviens charnel, les choses de l'esprit, tu ne sauras pas les capter. Amen. Tu vas commencer à faire des jugements dans la chair. Amen. Et tu as une bonne c'est parce que c'est les choses de la chair. Mais si tu étais spirituel, les gens qui étaient spirituels, ce sont des gens qui traversent des choses et des choses que parfois les gens trouvent que c'est une folie. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. Mais à la fin, ils sont justifiés. Bien aimé, Noé a crié parce que la Bible dit que la fin des temps, ça sera aussi comme le jour de Noé. Il a mis de son temps pour bâtir l'arche. Combien de temps ça l'avait coûté avec ses enfants? Mais vous savez que l'arche était vraiment bien construite pour que tout le monde y entre. Hein? Amen. Mais à la fin, c'était combien? Seulement sa famille. Qualité. Zabazo Yungola. Parce qu'il n'a pas dit qu'il y a la grande réveil spirituelle contre l'église. Alors, ça a besoin de pas utiliser les sous ma casse. Il faut être un goût là pour que tu aies un goût là. Preach. Tu aies un goût là. Et ça n'a pas dit. Bakani, ça a déjà dans le projet. Il dit qu'on a bien lancé la Zamba. Bon, de toute façon, la coteau là, les coteaux à deux. Donc voilà. Et ça déjà vous trouvez l'accident ok. Hier à Zalibamunati la terre, à son passé à Makambuya, bon.
On est à penser dans nos âmes, nous allons sauver. Pour que tant qu'âme nous a sauvé. Ensuite, après, Zambé, la Simalanga Salini, a bali qu'on vivre tout ce qui en découle. Parce qu'on dit, recherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Amen. Et tout le reste, nous serons donnés par-dessus tout. Ce que tu cherches et ce que tu veux avoir, si ça te demandera les prix, nous avons parlé, le frère, il a parlé sur Abraham. Il a payé le prix de sa fille d'Isaac. Le Seigneur touchera ce qui est de ton meilleur, c'est-à-dire l'objet de ton attachement. Quand tu vois que sa place est mise en jeu, il mettra cet attachement-là à l'épreuve. Pour voir Abraham, j'aime la parole de Dieu. Amen. Abraham, dans son appel, il était Abraham. Mais quand il a réussi le col de Dieu, il est devenu Abraham. Abraham. Processus. Processus. Mais nous aimons beaucoup les promesses et les prophéties. Nous avons prophétisé, nous avons utilisé, nous avons utilisé, nous avons utilisé. Pour atteindre ces temps-là, c'est un processus. Amen. Mais Dieu peut être à l'école, parce que nous avons l'école de Dieu. Et que Dieu peut être la première année ou deuxième. Mais tu n'as pas encore atteint troisième. Le Seigneur te veut atteindre d'abord pour avoir au moins le certificat de l'école primaire. Mais tu n'as pas encore atteint le certificat de l'école primaire. Tu commences déjà à te vanter. Voilà la raison pour laquelle pour ceux qui ont commencé le ministère, ils sont arrêtés au milieu. Parce que bah, reçu le corps de la Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Voici le pour. C'était pas encore l'enlèvement, mon frère. C'était quoi? Pour réveiller celle qui dormait. Que nous-mêmes, vous ne savez pas que vous avez une mission. Vous ne savez pas qu'il y a un temps de parti pour la dispensation de l'Église. Mm-hmm. Le monde comme Dieu l'a créé, le chéri. D'ailleurs, le Seigneur n'avait pas voulu qu'il y ait des dispensations. Mm-hmm. C'était d'abord dans les jardins d'Éden. Mm-hmm. L'homme devait vivre avec Dieu. Il vivait avec Dieu, il parlait avec Dieu. Mais il a donné les commandements. Ça là, tu ne touches pas. Mais l'homme a touché toujours là où on l'a interdit. Il y a une condamnation. Mais là, le commencement de Genèse, c'était le temps de quoi? Les théologiens viennent le dire. C'était la dispensation de l'innocence. C'est-à-dire, l'homme pouvait parler, pécher, tout ça. Il n'a même pas se rendre compte que j'ai péché. Mais quand il a mangé le fruit, c'est le temps de la conscience. Dispensation de la conscience. Désormais, tout ce que nous allons faire va nous engager. Tout le monde ici connaît le bien et le mal, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimé. Oulala, j'ai besoin de l'eau. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous montrer quelque chose de très important. La Bible a démontré des aspects des gens qui n'ont pas reçu l'école de Dieu et ils veulent toujours atteindre ce que Dieu avait voulu qu'ils atteignent, mais ils n'atteignent pas. Abraham a marché avec Dieu progressivement jusqu'à atteindre le changement de sa vie. Bien-aimé, voici le pour. C'est pour réveiller ta conscience. Pour qu'une fois que ta conscience est réveillée, tu pars rencontrer ton époux. L'objet de ton espérance. Ce que tu avais toujours cru dans ta vie. Mais trop souvent, nous avons mis des choses dans nos têtes qui ne sont pas réelles selon la parole de Dieu. Nous avons souvent dit, Nabala Yesu, comme on dit à Lingala, on chante souvent ça. L'autre fois, j'ai parlé avec l'homme de Dieu aussi. On chante souvent Nabala Yesu, Nabala Yesu, Namote Mananga. Est-ce que tu aussi te bala Penza Yesu? Normalement, selon la parole de Dieu, la parole de Dieu nous démontre que nous ne sommes pas encore des épouses, mais nous sommes des fiancés. Amen, amen. Et ces fiançailles est spirituelle. Alléluia. Amen. Même toi, quand on te dit, mon frère, au bala Yesu, c'est dans le sens spirituel. Tu as fait alliance avec le Dieu véritable. C'est un mariage. Parce que le mariage, c'est l'accord de deux personnes. Toi et ton Créateur. Il te promet protection. Il te promet beaucoup de choses. Mais il te demande aussi de faire quelque chose. C'est un mariage. Mais normalement, concrètement, pour balayer, nous sommes des fiancés. Il y a des gens qui sont déjà dans les fiançailles. Certaines femmes croient que déjà en pleine période de fiançailles croient que déjà je suis mariée à cet homme-là. Est-ce que vous le savez? Il y en a qui se comportent comme ça. Fiançailles en période de fiançailles, il n'écoute pas son fiancé.
Quand le verset dit, ma soeur, je ne te veux pas sortir dans tel endroit, je ne te veux pas ceci, cela, il observe. Et toi, comme tu sais qu'il avait déjà vu ta famille, tu crois que ça y est, tout m'est déjà acquis. Mais je vais te signaler que même Joseph avait dit quoi de Marie? Je ne veux plus de toi. Les fiancés peuvent se rompre à tout moment. L'église en réalité sur la terre, nous sommes des fiancés. Nous sommes des fiancés. Le Seigneur veut nous réveiller dans sa parole pour nous dire, voici le poux. Il est là. Les folles et les sages se réveillaient. Amen, amen. Il est là. Voici ce qu'on fait du français. En allemand, c'est quoi voici? Sie. Quelque chose qui montre que c'est ça. Si tu dis, voici, je montre, qu'est-ce qu'on dit ça en allemand? Hein? Schau das. Schau hier. C'est-à-dire, c'est proche, c'est là. C'est là, s'il est là. Ça te montre quelque chose de présent. Ce n'est pas voilà. Voilà, voilà là-bas. Donc ça dit c'est un peu loin. Mais ici on nous dit voici, il est là. Tout le monde doit entendre qu'il est là. Dans les songes, dans les choses. Tout le monde commence à parler. J'ai levé l'enlèvement, j'ai levé ceci, cela. Pourquoi passer tout ton temps à jouer la musique? Et ces jours-là, tu vas commencer à entendre l'enlèvement dans la télévision. L'église est enlevée. Et tu vas commencer à dire, je cherche Ikebali. Ike, toi tu m'as menti. Moi je me déplace avec toi tout le temps. La musique là de chasser Jésus. Je suis resté pourquoi? Mon frère et ma soeur, le salut est individuel. Amen. Koyakakole qui s'agobe, ta musique est ensemble, pamba pamba bouete. Ozwa et loko zwate. Et ça y loko. Tango moussousou, asakoto di sa panier. Azotala. Le col de Dieu, ça la kabale soit dingue na dingue. Nabate, naba yembi, nakolo. Basa na Bible, chante. Vous voyez bien, Azaf. Azaf a commencé à se dire. Azaf était chantre de l'Éternel. Il disait, j'ai donné ma vie. Lisons ça, parce que nous avons des chants ici. Psaume 73, qui a la parole de Dieu. Psaume 73. Azaf, c'était un chantre de l'Éternel. Merci mon frère pour les noms. Psaume 73, un chantre. Il s'est posé maintenant trop de questions. Moi, je ne comprends plus rien du tout. Les problèmes de la prospérité des méchants. Psaume d'Azaf. Alléluia. Qui peut lire ça? Vous me permettez à boire. Verset 73. Chante, parce que nous avons des chantres aussi aujourd'hui. Verset. Quel verset? 73, à partir du verset premier. Psaume d'Azaf. Psaume d'Azaf. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur de méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est changé d'un bon point. Écoutez cette parole, s'il vous plaît, les chantres. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Alléluia. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ainsi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Alléluia. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Répète encore ce passage. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Alléluia. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Alléluia. Si je disais, je vais parler comme eux, voici les trahirais. Je
je trahirai la race de tes enfants. Alléluia. Quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Wow. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Répète encore ça. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alléluia. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. En quoi et en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. Alléluia. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Alléluia. Lorsque mon cœur s'est glissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Alléluia. J'étais à ton égard comme les bêtes. Oh Jésus. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Alléluia. Tu me conduiras par ton conseil. Yes. Oui, tu me recevras dans la gloire. Alléluia. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Asaph était un chantre de l'Éternel. Il a purifié sa vie, il a purifié son cœur pour marcher dans la crainte de Dieu et chanter pour Dieu. Mais il voyait autour de lui des gens prospérer, les bénédictions matérielles. Asaph était découragé. Tant que tu es loin dans la vie des prières, tant que tu es loin. C'est-à-dire parce que lui, comment il a compris les secrets? C'est quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu, donc dans la présence même de Dieu, qu'il a compris que le sort de méchant est soudain. Il a conclu, pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le chantre, c'est eux qui amènent, c'est vous qui amenez le chant dans la présence de Dieu. Mais il y en a aussi un conflit. Ceux qui chantent et ceux qui prêchent, ils ont le même combat, mais à certaines particularités aussi. Cher ami, voici l'époux ne t'enlève pas encore. Le message de voici l'époux, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est l'avertissement que Dieu est en train de faire et il continuera à le faire partout pour que l'Église se prépare. Tu ne peux pas passer tout le temps de ta vie en servant le Seigneur, en allant dans les assemblées locales, pour qu'à la fin, tu sois désapprouvé. Il n'y a pas de plus grand regret que d'être rejeté par Dieu pour du bon. Si Dieu te rejette et dit c'est fini, même si tu pleures avec l'arme de crocodile, c'est l'arme de crocodile. Vous savez que ça se trouve dans la Bible, hein? Et Saul, il a pleuré la bénédiction avec d'abondantes larmes. On a dit trop tard. J'aime pas ces mots. Les trop tard. J'aime pas. Je me bats chaque fois qu'il n'y ait pas les trop tard. Amen. Même là, c'était rendez-vous. Vous arrivez en retard, vous êtes battu pour être là. Mais le train ou le bus arrive en retard, et à cause de ces retards de bus, vous aussi, vous arrivez en retard au rendez-vous, et là-bas, on vous dit c'est fini, on ne peut pas vous recevoir. Et surtout, les rendez-vous avaient une grande importance. Et là, dans ce rendez-vous, on essaie de vous donner une opportunité. Et il fallait maintenant qu'il y ait une autre personne qui va déterminer si on va vous recevoir ou pas. Cette personne arrive et vous dit, madame, c'est trop tard. Vous savez, vous allez vous en vouloir. Vous allez commencer même à maudire les puces là qui vous a amené en retard. Qui est celui qui t'emmène, qui fait que tu connaisses le retard dans le Seigneur? Même moi, les jeunes filles, je les prêche. Parce que l'évangéliste Philippe avait des jeunes filles qui prophétisaient. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que dans les derniers jours, il est parlé de son esprit, c'est toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Mm-hmm. Combien de temps tu as passé au Seigneur? La semence qui entre en toi, il faut que ça puisse germer. Il faut que ça produise quelque chose.
des jeunes filles, des jeunes garçons. La jeunesse, le Seigneur a besoin de vous. C'est vous qui viendrez avec notre courage. Parce que vous avez notre mentalité. La génération passée à notre mentalité, surtout la génération venue de Congo. Ils vont faire l'œuvre de Dieu à la congolaise. Mais vous, vous allez faire l'œuvre de Dieu comme des Européens. Alléluia. Amen. De sérieux. Des gens qui se disent des vérités quand il faut dire la vérité. Alors que les Congolais disent la vérité, ils font des quatre choses. J'ai dit souvent aux gens, quand ta raison devient tort, c'est que les méthodes ont été mal appliquées. Tu as raison. Mais raison n'a eu comme tort pour appliquer ma vie. Déjà, au lieu de se dire des vérités, ils font les quatre chemins. Alors, ça, l'hypocrisie, le Seigneur n'aime pas. Il faut que l'Église du Seigneur se répande. La jeunesse, Dieu a besoin de vous. L'Allemagne a besoin de Christ. Vous parlez très bien l'allemand. Cette langue que vous parlez, c'est pour aussi servir de témoignage aux Allemands. Amen, amen, amen. Vous savez, Dieu ne regarde pas la race. Il ne voit pas noir ou jaune. Il voit l'âme qui est là à l'intérieur. Le peu que tu connais, un Allemand ne connaît pas. Prêchez l'évangile aux Allemands. Prêchez l'évangile aux Allemands. Qui c'est là? Je vais arriver à la fin de mon message. Bien-aimés, la Bible dit que quand ils ont entendu, ils se réveillèrent toutes. Et les forts et les sages commencent à préparer la lampe, la parole de Dieu. Et j'aime la parole quand ça dit que ça préparait la lampe. L'eau devant Jésus avec la femme samaritaine, c'était toujours de l'eau, la parole. La femme vivait avec des préjugés, de l'histoire du passé, des souvenirs. Dieu a oublié ça, c'était caduque toutes ces choses-là. Elle a déposé la cruche. Beaucoup vont déposer la cruche, redémarrer avec Dieu, avec une nouvelle dimension. Bien-aimés, regardez ce qui s'est passé, préparez la lampe. Et nous savons tous, comme avait dit le pasteur Gabriel, lampe c'est la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'on dit préparer la lampe? La lampe c'est la parole. Mais quelle parole tu as écouté? Comme avait dit l'autre, le frère Hilaire, il a dit, ancien Hilaire, il a dit, quand il disait, la lampe, la parole, mais il avait dit quelque chose quand il modérait là, et ça m'avait touché. Papa, il est que Dieu vous bénisse. Vous avez semé quelque chose du début. Et le Seigneur connaît. La lampe, la parole, revoir la parole. Sortir des préjugés ou des routines. La parole, c'est ce qu'on nous a enseigné. Aujourd'hui, les gens remettent en doute la parole de Dieu. Nous allons commencer à entendre des enseignements, des enseignements bizarres. L'Église va commencer à revoir la parole. Toutes sortes des églises et des dénominations vont revoir la parole. C'est le plus grand réveil que la Bible a déjà parlé, qu'on n'a plus besoin des songes, des visions, des prophéties. Qu'on peut nous dire, j'ai un réveil, il y a un grand réveil spirituel qui va arriver. Non, c'est ce qu'avait dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que les folles et les sages vont se réveiller. Maintenant, il est question de déterminer qui est le folle et qui est le sage. Parce que ça va compliquer beaucoup de gens ici. D'abord, le point commun entre ces deux catégories de vierges, c'est qu'elles étaient toutes vierges d'abord. Et toutes fiancées à Christ. Prenez 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 2. Je lis le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Voilà ce qu'on nous dit. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous sommes des fiancés. L'enlèvement sera sélectif. On ne sait pas qui va partir. Amen. Tu es dans quel côté? Les femmes, le point commun avec les sages, elles étaient vierges. Un autre point commun avec les femmes, avec les sages, elles avaient la lampe. Mais là où elles sont séparées, c'est qu'elles n'avaient pas d'huile. Et l'huile, comme avait dit le pasteur hier, c'est le Saint-Esprit. Mais vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu déjà le dit ici. Amen.
Faites attention que tu ne sois pas parmi celles-là qui ont la parole, mais pas le Saint-Esprit. Prenez le cas, quand on a commencé à prêcher l'évangile, les apôtres, il y a un endroit, ils étaient arrivés là, ils ont demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bien-aimés, la parole qui est la lampe, c'est quand la parole est semée en toi. Quand tu as accepté cette parole, c'est ça la lampe. Parce que la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, la parole vous montre le chemin à suivre. Comment marcher sur cette terre des hommes. Mais la lampe, l'huile plutôt, c'est là que les apôtres ont veillé. Avec intérêt. Lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, j'arrive à la fin. Le verset 14 à 17. Actes des Apôtres 8, 14 à 17. Les vierges folles, elles étaient ici en Samarie. On les a repérées par les apôtres. On les a demandées. Les apôtres qui étaient à Jérusalem et ont appris que la Samarie a reçu la parole de Dieu, la lampe. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils ont envoyé qui? Pierre et Jean. On ne peut pas être serviteur sans être disciple. C'était des disciples au départ. Pierre était celui que le Seigneur avait appelé quand il faisait la pêche. Simon, il avait tout quitté. Jean, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse et l'Évangile des Jean. Vous savez le problème, hein? Ce n'est pas d'imposer les mains. Le problème se trouve dans qui t'impose. Quand on dit Pierre et Jean, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Recevez! Recevez! Rien. Spectacle. Parce que dans la vie de ces personnes-là, ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas été disciples accomplis. Parce que le Seigneur avait fait consécration des disciples. Tu ne peux devenir serviteur servante si tu n'as pas été disciple. Qualification des disciples dans Luc. Je ne sais pas qui connaît ce passage-là, où les disciples disaient, Jésus faisait le test. Comment peut-on être disciple? C'est facile de dire, Pierre et Jean, allez, yo potier comme on a kati. N'a pas la yé. Mais alors que Bango ba longue école, y a disciples là, pour ma koma ba poutre. Mais oui, abuso, tout son coca, école était. Mais tout y est comme ma la moko. Donc, recevez. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, l'homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir la mort et toi va annoncer les rois de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre des congés d'essai de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je vais chercher ce passage-là où vraiment le Seigneur est en train d'éclairer qui peut être un disciple accompli. C'est lui qui prend. C'est toujours dans Luc chapitre 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et qui servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou s'il se perdrait lui-même? S'il se détruisait ou se perdrait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Vous voyez quelque chose d'important dans le verset 23.
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, virgule. Quand on dit virgule, c'est que la suite vient, mais d'abord renoncer. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire renoncer? T'oublier. Prioriser d'abord le Seigneur. Ces disciples-là, Pierre et Jean, sont passés par là. Ils ont payé le prix des disciples-là. Et le Seigneur les a fait des apôtres. C'était eux qui étaient allés en Samarie. On les a envoyés parce que la Samarie a reçu la parole, comme la ville de Aaron a reçu la parole. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils ont imposé les mains à ces gens-là, aux Samaritains. C'était des gens consacrés et qui ont reçu le Saint-Esprit. Moi, en tout cas, j'ai la foi que tout le monde a le Saint-Esprit ici. Amen. Si tu n'as pas, on va prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. L'homme de Dieu sera là quand il va faire ça. Il va prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui te donnera la force en chaque saison. Dans la pauvreté, dans la richesse, dans la disette, dans le tourment, tu auras toujours la force. Parce qu'il est le consolateur. L'une de ses qualités, consolateur. Il conduit aussi dans la vérité, dans toute la vérité. Il enseigne aussi toutes choses. On peut enseigner n'importe quel enseignement. Si cet enseignement n'est pas de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te dira ça. N'avale pas ça. Tu vas sentir un dégoût dans l'enseignement. C'est lui. Et surtout dans les temps actuels, les temps de la séduction, où il y a certains enseignements pour apprendre comment sortir de son corps. Les temps de la séduction, il y aura les faux apôtres, les faux docteurs. Tu as besoin du Saint-Esprit, ma soeur, pour qu'il te dise, ne suis pas. Alléluia. Voici le poux. Il est là. Prépare ta lampe. Amen. Je ne veux pas que le trop tard t'arrive ou que Dieu te dise, je ne connais pas. Voici le poux, ne t'enlève pas encore. Voici le poux, réveille ton intellect. Voici le poux, réveille ton esprit. Le Dieu que tu as toujours cru, l'objet de ton espérance, il est là, il va venir. Un clic simplement, la voix d'un archange. Voici le poux, les sages et les folles ont entendu. Mais la voix de l'archange, quand il sonnera pour qu'on raconte le Seigneur dans les heures, c'est les sages qui entendront. Alléluia. Parce qu'elles seront prêtes. Préparer la lampe, se remettre la parole à sa place. Se revoir la parole et l'utiliser telle qu'elle est prêchée ici, pas celle que vous venez avec une nouvelle révélation. Là, ici. La parole de Dieu va être revue. Beaucoup d'enseignements seront revus. Oui, on ne peut pas recevoir les bénédictions de Dieu sans accomplir d'abord ce qu'il nous demande. Amen. La fiancée peut être rejetée. Joseph a voulu répudier Marie parce qu'il y avait un abus. C'est pourquoi le Seigneur veut te rappeler que je viens maintenant, moi, le poux. Prépare-toi. Et pour te préparer, réponds-toi. Réponds-toi. Tu connais où tu es tombé. Tu ne te connais pas ton nom. Nous connaissons les visages. Mais le Seigneur ne te connaît pas ton nom. Amen. Il sait quand tu plonges, quand tu t'éloignes de lui. Il y a des gens qui ont fait une rencontre personnelle avec Dieu de façon particulière. Le Seigneur souffre de l'éloignement de ces personnes parfois. Et c'est pourquoi ce message te réveille. Ne dors pas. Ton sommeil, c'est manque de vie de prière. Et quand le sommeil arrive, on te prend quelque chose de meilleur, l'héritage, comme les deux femmes qui disputaient d'un enfant devant Salomon. Le sommeil a fait que cette femme, son enfant soit volé. L'enfant est ta bénédiction, ton héritage. Le sommeil, c'est le manque de vie de prière. Le sommeil, c'est le manque de la crainte de Dieu.
Le sommeil t'amène dans la chair. Toutes les vierges dormaient. Et un message arrivé. Bien aimé, le Seigneur est à la porte. Nous voyons la parole. Mettons-en en pratique. Réconcilions-nous avec Dieu. Réconcilions-nous avec les hommes. Parce que la Bible dit que je suis la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour finir, je vais dire un témoignage d'un pasteur à Hollande. Il était mort. Ce pasteur vivait avec des conflits avec les gens à qui il ne parlait pas. Un frère même l'avait dit, soyez réconciliés, pasteur. Pasteur, il a dit, moi jusqu'à ce que je vais mourir, cet homme-là, je ne parlerai jamais. Mais un jour, le Seigneur voulait sauver son âme. Le pasteur qui continua toujours à prier, le Seigneur lui a dit, mets de l'ordre dans ta vie. Réconcilie-toi avec les gens. Et quand il a fait, il a appelé un pasteur, il lui a dit, pasteur, aujourd'hui je suis prêt de parler avec ces frères-là, je l'ai pardonné, il peut appeler à la maison, s'il ne m'a pas dit, il peut prendre avec ma femme, je l'ai pardonné. Le frère a dit, oh pasteur, il m'a demandé que ça a aidé. Alors, il a l'épicier. Ça a condition de ma paix. Il a évité pourquoi. Tant que nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire. 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 Après Balali, la tombe commence à la bouquille Moko, au Balakoufi. Quel enseignement! C'est là où maintenant Batoubala m'a dit à peine à qui n'a pas tout, à peine à qui est-elle, à peine à qui est-elle, à peine à qui est-elle. Bien aimé, l'enlèvement du sous-bas, c'est là où on est fait, mais au coup, on a un autre. Au coup, on a eu un 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 Mikolo ko kene pe na voiture accident. Ok. Na mona de ko mobali na moni na marché. To pe se li bote bo azo so la ti bi ala ti fache. Pantale ki ti mo kote a komi lo ba na MTV. Na moni nge papa bonjour. Ah bonjour mama pe sa neli bien. Deux jours après. To yo ki sa mo batanga. Ona frère quoi. Eh, akufi pourquoi? AVC. Ouf. L'enlèvement peut-être ne vient pas aujourd'hui, mais la mort peut arriver. Mais de l'ordre, ma soeur, mon frère, ne regarde pas ton âge. Jésus, à 12 ans, il discutait la parole avec les docteurs de la loi. Alléluia. Amen. Le Seigneur a voulu que vous écoutez ce message afin de mettre de l'ordre. Pour que quand vous chantez, la gloire se manifeste et qu'il soit content de vous. Le voici n'enlève pas, mais le voici te prépare à l'enlèvement. C'était le but de ce message. Alléluia. Préparez-vous. Et vous savez, l'enlèvement, comme ça sera sélectif, qualité, sachez bien, Enoch, la Bible dit, il était agréable à Dieu. Vous aussi soyez agréable maintenant. Prenez la décision. Lèvons-nous, bien-aimés, lèvons-nous. Prenez la décision. Prenez la décision d'être agréable aujourd'hui. Moi, j'ai fini mon message. Que le Saint-Esprit prenne la suite du message. Prenez la décision, les gens peuvent venir déjà. Prenez la décision d'être agréable à Dieu pour connaître l'enlèvement qui sera sélectif. Et le Seigneur va nous conduire dans une nouvelle dimension. Retournez-lui une adoration. Pendant que les gens adoraient, amenez-nous dans la présence de Dieu. Pendant qu'ils sont en train d'adorer, une chanson qui nous amène dans la présence de Dieu. Commencez à intercéder en soi-même. Dis Seigneur, rends-moi agréable. Je vais maintenant marcher avec toi pour accomplir ta volonté. Adoration, je ne sais pas. Quelle chanson. Qui connaît cette chanson? Est-ce que vous pouvez le chanter? Est-ce que vous... Dieu cherche. Thank you.
m'attire au moins à toi. Reste pas, Seigneur, attire-moi à toi. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Alléluia. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Alléluia, alléluia. Priez, entrez en vous-même. Dites quelque chose à Dieu. Alléluia. Et Dieu vous attire à lui. Il est là, l'époux. Dans ses bras, je suis rassuré. Il va commencer à faire le travail. Parce qu'il va entre sélectionner. Moi, la voix. Tu me ramènes à toi. Tu es, tu es.